Au XIVe siècle, à la demande du gouverneur de Sienne, Ambrogio Lorenzetti réalisa la fresque du bon gouvernement. Cette fresque illustre les rapports harmonieux et équilibrés entre un monde rural et un monde urbain parfaitement délimités, distincts et pourtant complémentaires. Certaines scènes symbolisent la paix, la justice, la concorde, c'est-à-dire les principales vertus qu'un bon gouvernement devrait appliquer pour préserver cet équilibre. À la campagne, les paysages sont rythmés par des parcelles agricoles et des forêts. Les paysans cultivent méticuleusement la terre pour se nourrir et fournir les denrées nécessaires à la ville. La ville, lieu de culture et de commerce, mais surtout siège du pouvoir, offre en contrepartie sa protection à l'intérieur de son enceinte, ainsi que des occasions d'échange et de partage. Si les édifices et les palais témoignent encore aujourd'hui de cette époque, la campagne et la ville, quant à elles, ont radicalement changé de visage. La ville de Luc compte aujourd'hui près de 85 000 habitants et s'étend jusqu'aux montagnes de la Garfagnana. Avec l'industrialisation qui suivit la Seconde Guerre mondiale, la population de la ville a fortement augmenté au détriment des zones de montagne qui, elles, n'ont cessé de se dépeupler. Bonjour, bienvenue à Luc. Vous allez accueillir un groupe de Français, qu'allez-vous leur présenter ? Eh bien, je voudrais leur présenter toutes les caractéristiques de notre ville. Une ville d'histoire au passé médiéval, mais surtout une ville qui se développe. Un développement lié essentiellement à l'essor touristique de la région. Aujourd'hui, on peut dire que Luc est devenu un pôle d'attraction pour toute la population qui vit principalement à la périphérie de la ville. C'est un territoire très riche au niveau des paysages, avec de nombreuses zones protégées. Ces espaces naturels préservés sont un atout supplémentaire pour la ville, qui offre ainsi de nouvelles occasions de visite. La difficulté majeure à Luc, c'est tout ce qui touche à la mobilité. Nous manquons d'infrastructures. Aujourd'hui, ce thème est d'autant plus essentiel qu'il pèse fortement sur le développement de nos entreprises et sur la qualité de vie de la population. Actuellement, une autre action est menée par les administrations. Elle vise à recenser l'ensemble des possibilités existantes en termes de valorisation et de découverte du territoire, et surtout à promouvoir auprès des habitants et des visiteurs les nombreuses opportunités qu'offre la ville de Luc et ses environs. La décentralisation mise en place en 1996 a permis à la province de Luc d'acquérir plus de pouvoir et plus d'autonomie, notamment en matière de gestion des fonds européens. Parallèlement, la région Toscane a décidé de favoriser les démarches citoyennes à travers une série d'outils novateurs impliquant directement les habitants dans la vie de leur région, de leur province ou de leur ville. Nous avons créé un site web, un atlas participatif, sur lequel les citoyens peuvent signaler tous les problèmes qu'ils observent sur le territoire, des dégradations sur les édifices ou tout ce qui touche au paysage. Une participation publique, active, qui part du terrain. La principale vertu de ce système, c'est qu'il s'appuie sur un logiciel open source. Les administrations, comme les habitants, se le sont approprié et consultent régulièrement sa base de données. Je constate que la ville s'est étendue jusqu'aux montagnes et que les zones urbaines l'ont emportée sur les terres agricoles. Il n'y a plus de frontières entre la campagne et la ville. Je me dirige vers les montagnes de la Garfagnana, où d'autres actions novatrices sont mises en place pour venir en aide à l'agriculture locale dans les nouveaux défis qu'elle doit relever. Le groupe d'action locale de Garfagnana a été créé en 1991. Cette forme de partenariat entre acteurs publics et privés a été voulue par la communauté européenne. Nous gérons donc principalement les financements communautaires et en particulier les financements leaders.
Notre secteur de compétence concerne deux provinces, et plus précisément les territoires qui correspondent aux zones de montagne de la province de Lucca et de la province de Pistoia. Le programme LEADER apporte des fonds très importants pour ces territoires, surtout parce que ce sont des secteurs qui disposent d'une économie fragile, avec des potentiels de développement plus difficiles à valoriser que dans les territoires urbains, plus forts économiquement. Pour que la population vive ici, il est important qu'elle puisse y trouver les services et les structures nécessaires qui manquent souvent dans les territoires de montagne ou dans les zones particulièrement rurales. Pour nous, agriculteurs, la difficulté que nous rencontrons dans ces zones de montagne, nous sommes ici à 1200 mètres d'altitude, c'est de maintenir une activité et des revenus toute l'année. Ici, grâce au projet des gardiens du territoire, nous touchons des revenus complémentaires, en contrepartie des services que nous rendons avec d'autres agriculteurs, la surveillance et l'entretien des biens publics. Nous collaborons en particulier avec le syndicat d'assainissement. Nous travaillons deux ou trois mois dans l'année et nous intervenons régulièrement en fonction des besoins et des priorités. C'est ici que vous exercez votre activité d'agritourisme ? Non, ma ferme se situe à 30 km d'ici, à 1300 mètres d'altitude. C'est la plus haute de Toscane. En plus de notre production agricole, nous surveillons le niveau des cours d'eau, nous nettoyons le lit des rivières, nous effectuons des petits travaux forestiers et surtout nous contrôlons en permanence le territoire. Qui mieux que nous pourrait faire ces interventions? Nous sommes tout le temps sur le territoire. À l'origine, la ferme était celle de mon grand-père. Puis avec mon frère, dans les années 1990, nous avons décidé de reprendre son exploitation et de nous installer définitivement en montagne. Nous produisons des laitages, du fromage, des yaourts et nous distribuons directement nos produits, directement du producteur au consommateur. Nous avons un réseau de distribution, de petits magasins et de grandes surfaces dans un rayon de 100 km qui va en gros jusqu'à Florence. L'agritourisme constitue une autre activité importante pour notre ferme. Les gens qui viennent dans les fermes d'agritourisme peuvent déguster les produits sur place. Et lorsqu'ils retournent chez eux, ils peuvent les retrouver dans les commerces. C'est très intéressant pour nous en termes de promotion et de distribution. Dans une communauté qui représente environ 30 communes, en zone de montagne, nous avons créé plus de 60 sites d'agritourisme dès les premières années. Sans ces actions et ces aides communautaires, l'agriculture traditionnelle de montagne n'aurait peut-être pas survécu au développement industriel des villes. Je quitte Giuseppe et son agritourisme pour redescendre dans la plaine à la rencontre d'un autre agriculteur d'une autre forme d'exploitation agricole. Notre entreprise agricole est relativement grande. Nous faisons le même type de culture que la plupart des autres exploitations agricoles de la région. Nous avons souhaité nous diversifier, prendre une autre route et produire du biogaz. Le biogaz est produit à partir de céréales, les mêmes qui sont habituellement destinées à l'élevage. En fonction de notre production, nous cultivons du maïs, du sorgho, du blé, qui servent d'habitude à l'ensilage. Mais nous n'avons pas d'élevage. Notre unité a ce que l'on appelle un fonctionnement à sec. 50% du gaz produit est du méthane, avec lequel nous alimentons un moteur à gaz qui est relié à un générateur qui le transforme en électricité. Nous couvrons les besoins de notre entreprise et le surplus que nous ne consommons pas est vendu au réseau électrique national.
Un tarif préférentiel a été fixé par le gouvernement il y a quelques années pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Il a été décidé un tarif unique, correspondant à un prix d'achat de 28 centimes d'euros le kilowatt. Nous produisons 750 kWh, ce qui correspond à un peu plus de 16 MW par jour d'énergie électrique. Nous sommes à la campagne et la capacité limitée de la ligne électrique sur laquelle nous envoyons notre production ne supporterait pas d'apport supplémentaire. De plus, la réglementation impose que si l'on dépasse un mégawatt, nous ne sommes plus considérés comme des micro-centrales et l'on ne peut plus bénéficier du tarif préférentiel. On ne peut pas dire que nous sommes différents de l'agriculture traditionnelle. On dira simplement que notre activité est une activité complémentaire. Jusqu'où aller dans le développement des énergies renouvelables? Je suis surprise de l'utilisation de céréales comme matière première pour la production d'électricité. On est loin de l'agriculture traditionnelle et de son rôle de mère nourricière. Je laisse cette unité de méthanisation qui me semble issue d'une démarche purement commerciale et individuelle et me dirige vers Pechou.